Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, toute nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous résumer le Orla. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos. C'est toujours sympathique. J'ai relu le Orla de Maupassant et j'ai de nouveau beaucoup apprécié. J'ai un peu flippé, vous me connaissez maintenant, mais j'ai vraiment vraiment aimé me replonger dedans. Avant de commencer, Maupassant, de son nom complet Henri-René Albert Guy de Maupassant, était un écrivain français du 19e siècle, largement influencé par Gustave Flaubert. On le connaît pour des œuvres comme Boule de Suif, La Parure ou encore Belle Amie. Mais le sujet de la vidéo, c'est le Orla, alors ça parle de quoi? Ça raconte l'histoire d'un gars qu'on va appeler le narrateur et qui habite pas loin de Rouen. Il a une très bonne situation et quand tu commences le livre, absolument rien ne porte à croire qu'il va se passer ce qui va se passer. Bien au contraire, c'est même un peu trop nié. À coup de descriptions florales et solaires, à se demander si notre gars il est pas juste en train de planer. Mais c'était évidemment sans compter sur l'esprit torturé de Maupassant qu'on admire, qui place pile à ce moment-là l'élément déclencheur de son intrigue et le début du cauchemar pour son narrateur, qui voit sur la scène un magnifique bateau brésilien qui va le mener droit dans le gouffre. Parce qu'à peine quelques jours après le passage du bateau, le protagoniste tombe malade, à en devenir terrifié et insomniaque. Le gars réussit quand même à choper le mal de mer sans même monter dans le bateau. On dirait ton livreur qui te place des avis sans même monter chez toi, mais ça c'est une autre histoire. Donc notre ami est mal, et au début il sait pas trop ce qui lui arrive, donc il se prend son petit rendez-vous Doctolib, sauf que le traitement que lui donne le médecin ne fonctionne pas trop. Mais par la suite, il se met à de plus en plus à être conscient du cauchemar qui le laisse sans sommeil toutes les nuits. Un être surnaturel viendrait sur lui pendant qu'il dort et tenterait de l'étrangler. Ouh. Attends, tu fais quoi là? Bah je fais des effets spéciaux. Bah arrête, arrête. Ok. Fatigué de la situation, notre narrateur décide de partir en voyage quelques semaines en se disant que ça ira mieux après. Il se fait le Mont Saint-Michel tranquillou, là-bas il discute avec des gens, notamment un moine, et ça marche plutôt bien puisqu'il rentre guéri. Petite dédicace à nos Normands, la prochaine fois qu'on se sentira un peu flagada, on viendra chez vous. Ouais, j'ai vraiment utilisé le mot flagada, c'était soit ça, soit patraque, et c'est pas mieux. Donc notre narrateur rentre de son séjour plutôt guéri, mais ça ne dure pas puisque le 4 juillet, il dit « Décidément, je suis repris, mes cauchemars anciens reviennent. Cette nuit, j'ai senti quelqu'un accroupi sur moi et qui, sa bouche sur la mienne, buvait ma vie entre mes lèvres. » Dans les lignes qui suivent, le personnage se remet quand même un petit peu en question. Il se demande s'il n'aurait pas juste perdu la tête. Mais il a des doutes, surtout quand durant deux nuits, son eau disparaît et il est persuadé qu'il n'y a pas touché. Pour en avoir le cœur net, il va monter un stratagème. Il va placer sur une table du vin, du lait, de l'eau, du pain et des fraises. Et le lendemain, il va constater que l'être maléfique n'a touché qu'au lait et à l'eau. À ce moment-là du livre, je me suis demandé si cette créature maléfique, finalement, n'était pas juste un chat errant qui a trouvé le pigeon parfait. Le narrateur recommence bien sûr son plan le lendemain et rebelote, l'eau et le lait disparaissent. À ce moment-là, il se dit trop c'est trop, il repart en voyage à Paris cette fois, il en profite pour décompresser, aller au théâtre. Et grâce à ça, ben voilà, il commence un peu à retrouver la raison et il se dit que finalement, il était peut-être juste devenu un peu fou à cause de la solitude. S'ensuit un passage avec sa cousine et un prestidigitateur que je vais vous épargner. Il faut juste savoir qu'à partir de là, notre narrateur se met de plus en plus à croire à tout ce qui est surnaturel, surtout quand sa cousine, hypnotisée par l'illusionniste, vient le voir pour lui demander de l'argent sans trop en être consciente. Alors, soit le magicien était très fort, soit la cousine avait un grand besoin d'oseille parce qu'elle lui demande quand même 5000 balles et il était prêt à lui donner. Pensez-y la prochaine fois. Ouais, excuse-moi, t'as pas 2000 euros à prêter vite fait là? Hein? Non, non, t'inquiète, c'est rien, je suis conjuré. Les hallucinations du narrateur continuent en plus des cauchemars mettant en scène cet être maléfique. Il voit, lors d'une balade dans son jardin, une fleur suspendue comme ça toute seule. Heureusement que l'histoire se passe au 19e siècle parce que de nos jours, ça s'appelle juste être au chômage. A partir de là, ça y est, notre personnage est sûr et certain qu'il existe un être invisible qui boit son lait et son eau, qui bouge les choses. Il veut repartir en voyage, mais il n'y arrive pas, comme si une force surnaturelle l'en empêchait. Il arrive quand même à partir à Rouen et le 19 août, il lit dans Le Monde Scientifique une revue qu'il y a une épidémie actuelle au Brésil et qui touche les habitants qui voient des hallucinations, des êtres invisibles, aux mêmes caractéristiques que celui qui hante ses nuits. Donc forcément, il se rappelle le bateau brésilien qu'il a vu au début. Et c'est pile à ce moment-là de l'histoire que notre monstre commence à avoir un nom. Le narrateur l'appelle le Orla, sans doute une contraction entre hors-la-loi et le mot normand hors-saint qui veut dire l'étranger. Mais ça, c'est pas sûr. Dès lors, le protagoniste n'a qu'une seule idée en tête, tuer le Orla. Il prépare alors une mise en scène où il se met à écrire attendant sagement que le monstre apparaisse derrière lui. Sauf que ça ne marche pas du tout. Ça donne au contraire lieu à une énième scène traumatisante pour lui où il ne se voit plus dans le miroir, persuadé que son reflet a été dévoré par le Orla,
jusqu'à s'apercevoir à moitié dans une brume au fond du miroir. Ça, mon gars, ça s'appelle juste de la buée. Tu diriges ton sèche-cheveux vers la glace et c'est nickel. Quelques jours plus tard, le narrateur a enfin la solution pour se libérer de ce monstre, ce horla qui le hante toutes les nuits. Il décide de consulter un psychothérapeute qui, après quelques séances, arrive enfin à le libérer de tout ça. Pas du tout. Au lieu de ça, il fout littéralement le feu à toute sa baraque en renversant l'huile de ses lampes sur le tapis et les meubles et il ferme la porte de l'extérieur à double tour pour que le horla ne s'échappe pas. Sauf que ce petit malin, il a tellement pas réfléchi qu'il a enfermé ses domestiques à l'intérieur et forcément la maison a brûlé entièrement. Et même après ça, il se dit que le horla n'est pas mort, qu'il est peut-être indestructible et que la seule solution à son problème est peut-être de se tuer lui-même. Tu l'as compris, dans cette nouvelle, Maupassant nous livre l'histoire d'un homme sujet aux hallucinations dont la raison est perturbée par ce double maléfique qui le mènera droit vers une fin tragique. Un conte presque autobiographique quand on sait que l'auteur lui-même souffrait des mêmes maux que son personnage dû à une syphilis qui finira par l'emporter. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de lire le horla. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le résumer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours sympathique, à partager et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À la prochaine, ciao! It's not a game, it's a red stick.